Vous êtes sorcière? Oui. Tu as fait quoi et quoi? Donnez les chaises aux mamies là. J'ai tué. Faut expliquer. Bon, j'ai tué mon père. Hein? Avant de tuer mon père d'abord, oui. Je lui ai fait un lavage de cerveau. Je voyais ses oreilles avec le clou. Il a jeté, j'ai ramassé. J'ai gardé. Oui. T'as fait quoi? J'ai ramassé, j'ai gardé. Quoi? Ta plume. Oui. Pour que si là il y a l'église, que personne ne les voyait, ceux qui voient, ils disent que ta fille veut te tuer. Mais si là il va à la maison, qui vous biche. Donc c'est comme ça que c'est passé. Maintenant, pour tuer, je suis allée dans mon village, je suis allée prendre un bois, un boudin, je suis venue me sauver, me sauver, en sachant qu'il me l'a tué. Maintenant, j'ai gâté la vie de mes frères, de mes soeurs. À cause de moi, mes soeurs ne se marient pas. À cause de toi, elles ne se marient pas? Oui. Et donc, elles sont là, elles ne se marient pas? Oui. D'accord. J'ai une de mes soeurs de l'autre côté là-bas, elle est ma femme de l'autre. Quel autre côté? Ah. Dans le monde spirituel. Tu as qui là-bas? Oui. Comment tu fais ça? Je tape trois femmes à plus. Bah, essaye de faire moi. Une, deux, trois. Et ça sort. Et ça sort. Combien de mètres? 2 mètres. Hein? 2 mètres. 2 mètres. Oui. Les kikis de sorcellerie? Abonne-toi, c'est qui c'est là pour? Mettez son. C'est pas pour venir te caresser, c'est pour te tuer. Oui, non, quand on va dire, mon travail. Et tu couches avec elle? Avec c'est ce qui vous donne pour votre moment là? Oh non, pour vous. Souvent j'ai l'impression qu'il y a un fibrom. À moi, il y a un gourmé. Quand l'esprit de chacun en vous, c'est oh, très, il y a eu. Avec un gourmé. Ça vous donne des 10. Donc vous voyez que vous avez fréquemment la visite des esprits dans le rêve. Ça vous avez, souvent il prend le visage de la personne que vous avez. Non, non, il vient faire l'amour avec vous. Oh non, il ira pour quand vous voyez ça en rêve. Aïe. Faites-vous délivrer. Aïe, aïe, aïe. Ça n'existe pas, mari de nuit. Et non, délivre. On dit mari esprit, ça veut dire quoi? C'est un esprit qui t'a épousé. Mais délivre-nous. Quand tu vas commencer à avoir des relations sérieuses, ça vient, ça gâte. Et il y a un gars qui est là. Si tu fais des rapports dans le rêve, c'est que c'est un problème. Couche avec elle. Oui, je couche avec elle. Et tu as quel plaisir? Bon, c'est pour gâter son mariage. Maintenant, après ça, je vais faire porter un masque. Un masque? Oui, sur le visage. Pour ne pas que, bon, les hommes l'approchent, mais au moment où il veut faire du sérieux. Le portail du orange, bonjour. Au correspondant, il ne peut pas te joindre. Ce dernier s'en va. Et il bouge. Il bouge. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la vie de ma soeur. Mais là, dans la vie de ma mère, elle, comme elle travaille, je suis allée. Elle travaille pour les autres, je suis allée sur sa table. Je suis allée sur sa table. Pour qu'elle se tombe dans les chiffres. T'as fait quoi? T'as fait quoi sur la table? Je suis allée chier sa table. T'es une chieuse. T'as chier sur la table. T'as chier sur la table. Oh, mais en moi, pour qu'elle se tombe dans les chiffres. Elle se tombe dans les chiffres. Oui. Pourquoi on emprisonne? On emprisonne. Oui. Maintenant, on a la maison. Depuis qu'elle a pris mon affaire sur Seigneur, elle prie beaucoup, donc elle me gêne. Moi, j'ai pris une sérène. J'ai mis une liquide de la tension. Et je l'ai piqué ça à la nuit. Donc, elle a tension, elle a eu la tension. Elle a eu la tension. Et malgré ça, elle doit pas continuer de prier. Souvent, à la maison, elle est morte, on discute. Très souvent, on a la raison, on ne s'entend pas. Elle ne peut pas vous attendre, c'est pas possible. On discute, il chie sur la nourriture. On fait du mal à mes frères et soeurs, dans la diarrhée, d'autres tombent malades. À la maison là-bas, pour avoir, comme de l'autre côté, je suis la deuxième reine, pour avoir assez, pour que les autres esprits aient assez à la maison. J'ai pris le sable de la maison, puis j'ai ouvert ça dans mon monde spirituel. Le sable de la maison. Le sable de la maison. Que tu as envoyé. J'ai envoyé ça. J'ai mis dans une bouteille. Et j'ai envoyé ça dans le monde structure. De voir ça sur mon tour. De l'autre côté là-bas. Maintenant, au moment où je suis fatiguée, il fait appel aux autres. À partir de 15h, pour se réunir à minuit, pour faire la sorcellerie. Donc, actuellement, la maison, il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre.
Tout est fermé. Tu n'as pas bon. Les esprits ont assez facilement la maison. J'ai installé ma caméra à la maison. Comment vous installez les caméras? C'est au coin de la maison qu'on installe les caméras. C'est dans le couloir. Dans le couloir. Tout le monde passe par là. Mm-hmm. Tout le monde, tu sais, c'est par les yeux que moi j'ai installé ma caméra. Quand tu fixes? Je fixe le coin de la maison et j'installe ma caméra. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai fait. Pour installer ma caméra, pour que tous ceux qui sont à la maison puissent passer. Maintenant, à l'entrée de la maison, j'ai mis un filet là. Si tu sors que tu as peut-être un embauchement, soit on doit t'embaucher pour aller d'un endroit. Une fois que tu arrives à la maison, que tu dépasses la porte, on t'oublie. Tu dois travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, dans la vie de mon frère, j'ai pris son âme. J'ai appelé son âme trois fois, je l'ai attaché. Il voulait le rendre fou, comme ça ne marche pas. Maintenant, je vais le tuer. Tu l'as tué? Non, il devait faire ça en décembre. Mais le 15 décembre, j'ai dit ça à ma maman. Ah, voici ce qui se passe. Donc, elle a cherché un point chez un homme de Dieu. Elle allait l'installer là-bas pour faire ses prières. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, dans la maison, j'ai tout mon matériel là-bas. J'ai mon miroir là-bas à la maison. Mon canal. Tu fais quoi le miroir? Je communique, je peux voir de l'autre côté là-bas pour prendre les informations, pour les renseigner. Mais la caméra joue quel rôle? La caméra, ça c'est pour ceux qui sont à la maison. Tu le contrôles là. Contrôle. Si je ne suis pas là, je sais ce qui se passe. Grâce à la caméra. Ma tante aussi, celle qui m'a initiée, elle aussi, elle sait ce qui se passe aussi à la maison. Grâce à la caméra. Maintenant, mon miroir essaie à communiquer de l'autre côté. Souvent, si je ne vais pas là-bas, mon miroir essaie à prendre des informations de la maison. C'est ce que je fais. Maintenant, après cela, c'est bon. Comme j'ai fait les ouvertures, j'ai une de mes soeurs. J'ai une de mes soeurs. Celle qui m'a initiée, c'est elle qui est bon. Qui soit elle. Dans le monde spirituel, dans le côté là-bas. Donc, à cause de ça, elle n'est pas mariée. Oh, tu as bien dit? Non, ça, c'est une autre sœur. C'est une autre sœur. Ça va être ma tante, mais elle s'est soit avec elle dans le monde spirituel. Non, elle aussi n'est pas mariée. En fait, c'est le papier pour qu'elle aille en Europe, ça échoue à cause de tout cela. Mais quand j'ai fini de commander ça, j'ai fini de compter, de tuer mon père, on devait me garder. J'ai fait une semaine de maladie. Parce que de l'autre côté là-bas, j'ai gêné. J'ai fait une semaine de gêne sec pour avoir assez de tourner. Maintenant, chaque 15 janvier, 15 mai, 15 septembre, moi et ma tante, on va battre avec. Chaque 15 janvier, 15 mai, 15 septembre, moi et ma tante, on s'en va au bord de la mer pour renouveler nos pattes avec la sirène de Dieu. Au bord de la mer, elle et moi, nous deux. Parce que souvent, quand on va dans le combat, on perd souvent la puissance du monde. Donc, on va là-bas pour charger la batterie. Notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous aidons même les sorciers à abandonner la sorcellerie par une méthode qu'on appelle la délivrance, c'est tout. Délivrance, c'est de libérer, être de quelque chose. Quand on dit délivrance, ce sont du monde délié, libéré d'une situation. C'est-à-dire, les sorciers, ils sont possédés par un esprit. Il y a un esprit qui vient s'incarner dans leur esprit humain, qu'on appelle, le démon l'appelle l'esprit méchant. Une fois que l'esprit méchant est en toi, tu n'as plus de volonté. Voilà. L'esprit t'impose sa manière de voir. Et comme bien sûr, le sorcier, il gâte, il tue et mange. Voici les trois choses. Comme la Bible vous l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Voilà, donc le diable qui est considéré comme un voleur, un usurpateur. Donc voici un peu. Donc ici, nous amenons des sorciers à abandonner la sorcellerie. Ici, c'est notre spécialité. Voilà, c'est notre spécialité. C'est comme un CHU, l'hôpital, où on peut guérir même de la sorcellerie. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie, c'est comme une folie. Une fois que tu atteins de ça, il est difficile. Tu perds la raison. Par moi, tu perds la raison. Tu as un raisonnement très gauche. Parce qu'au lieu d'apporter quelque chose de bon, tu es plus négatif. Pratique. C'est une pratique qui n'est pas bonne. Voilà, donc, c'est ça.
Ici, là, on a Jésus-Christ. Et nous, c'est notre spécialité. Tu sais, souvent, les gens ont des dons de guérison. Ils veulent délivrer un sorcier. C'est différent. Quand ils prient pour les malades, ça va. Mais mater de délivrance d'un sorcier, ça, c'est encore une autre intention. C'est une autre intention. Le sorcier, il faut le voir. Dès que tu le vois, tu vois un peu tout, parce que c'est des menteurs. Voilà. Ils mentent beaucoup. C'est caractérisé par le mensonge. Ils ne savent pas dire la vérité. Parce que ce qui est en eux, c'est un esprit du diable. Et le diable, le père du mensonge. Donc quand tu les écoutes, ils ne te disent pas directement la vérité. Et puis ils te sondent. En disant le mensonge, ils te sondent. Pour voir si tu es fort ou pas. Et quand ils détectent le mensonge, ils sont prêts à s'aligner à tout. Et une fois qu'on commence à dire la vérité, les délivrer. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Que quand on commence à mentir, ça, on a un remords. On a menti. Ben, eux, ça, et tout ça, normal de mentir. Oui, c'est normal de mentir. Surtout que moi-même, là, il y a une expérience. Voilà. C'est pas, je ne me suis pas levé un matin comme ça. Les sorciers m'ont attaqué. Voilà. J'ai été malade. 5 ans de maladie. J'ai vécu une maladie terrible. Mes poumons étaient infectés. Jusqu'à ce que Dieu me délivre. Ils ont tué mon papa, ils ont tué mes frères. Tout le monde est mort. La plupart sont morts. Et moi, je suis un rescapé. Tu vois, donc, je suis révolté. J'ai vu Jésus-Christ. C'est différent des autres. J'ai vu Jésus qui m'a dit, toi, ton travail, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc, d'abord, quand j'ai un frère d'un sorcier, je me souviens de tout ce qu'ils m'ont fait en voie. Et je mène la peau de la victime et je suis prêt à aider jusqu'au bout. C'est différent de celui qui n'a pas vécu ça. Voilà, donc, c'est un peu mon ministère. Et moi, par la grâce de Dieu, bien sûr, nous savons, je sais bien régler ça. Je ne joue pas ça. Parce que je me mets aussi dans la peau de la personne. Je me dis, avant, c'est comme ça que j'étais. J'ai cherché une solution et Dieu m'a donné la solution. Vaut mieux aider la personne. Parce que c'est quelque chose, quand tu n'as pas bien réglé, demain, il y a des retombées. Oui, c'est des choses qu'il faut bien régler. J'explique ce phénomène parce que ça me révèle toujours des conférences vidéo sur le net où j'enseigne des gens qui n'arrivent pas à comprendre un peu. On dit que le monsieur, ils l'ont tué. Mais pourquoi il est vivant? Pourquoi il vit? Est-ce que ce n'est pas les inventions? J'ai enseigné ça la semaine dernière. Les vidéos sont en ligne. J'ai dit l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque nous lisons Lévitique plutôt, 17, à partir du verset 11, on dit l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Donc je parle de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit n'est pas touché. Le sorcier ne peut pas manger l'esprit. C'est l'esprit qui ira prendre compte. Ce sera que quand c'est l'âme, c'est l'aspect âme qu'on mange. L'individu mange l'âme. C'est pour ça qu'on peut manger ton âme. Comme ton esprit est en toi, tu es vivant. Parce que l'esprit vit. C'est pour ça que quand il y a un homme, il va mourir, il a peur. Malgré que l'homme est né pour mourir. Parce que naître veut dire mourir. On naît, on doit mourir. C'est le parcours de l'homme. Mais quand tu lui parles de la mort, ça l'effraie. Parce que l'esprit qui est en lui est éternel, ne meurt pas. Voilà. Donc, mais quand on mange l'âme, comme l'esprit est en toi, tu vis avec ton esprit. Mais tu ne vis plus avec une âme. Tu es sans âme. Donc tu vis avec ton esprit et en même temps ton esprit se trouve dans ton corps. Donc et c'est la partie énergétique qu'on appelle l'âme. C'est ça là que le sorcier détruit. Voilà, c'est ça ce que le sorcier détruit. Et donc tu n'as plus de long parcours sur la terre des humains. C'est vrai que tu vis physiquement vivant, mais et ton âme étant mangée, si tu as trop duré, tu ne dépasseras pas une année. Quand l'âme de quelqu'un est mangée, ne dépasse pas une année. Mais c'est une mise en scène. On te fait croire que ça va. Et juste pour brûler les traces. Et dès que tu tombes en disant, ah, mais le monsieur il était malade, voilà, il était malade ou il a fait un accident, voilà ce qu'ils ont supprimé. En temps, c'est déjà programmé. Ils sont très organisés dans leur système de trucs pour ne pas qu'on sente qu'ils sont eux qui sont la base de tout ça. Voilà, donc voici un peu l'aspect. Il est vivant, mais on dit qu'il est mort. Voilà, son âme a été mangée. C'est pour ça qu'on les appelle les mangeurs d'âme. On n'appelle pas mangeurs d'esprit, mais on dit les mangeurs d'âme. Parce que c'est l'âme qu'ils mangent. Quand vous lisez Lévitique 17, 11, on dit l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Effectivement, c'est l'âme qu'on mange. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu est l'esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est comme de l'œuf. L'œuf. Vous voyez, l'œuf est constitué de la coquille, le blanc et le jaune. La coquille, le blanc et le jaune. La coquille, le blanc et le jaune. Voilà, donc l'homme aussi, c'est comme ça. L'homme, il est composé d'esprit, l'âme et le corps. Voilà, donc c'est la partie âme là qu'on mange. Et si on a mangé ton âme, ton esprit est là. Ton esprit est là, parce que ton esprit n'est pas touché. C'est l'esprit, parce que s'il mange ton âme, ton esprit n'ira plus. C'est quand on meurt, l'esprit part rendre compte. Si c'est à Dieu, ok, le jugement. Si tu as marché avec Jésus-Christ, tu pars dans le sein d'Abraham. Si tu n'as pas marché avec Jésus-Christ, tu pars dans le séjour des morts.
parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Donc c'est le séjour des morts et le sein d'Abraham. Voilà, le séjour des morts et le sein d'Abraham. Le paradis sera très bientôt ce qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit. Donc je passe selon la Bible. Voilà, je passe selon la Bible où on a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Voilà, où on a vu le riche dans le séjour des morts. Donc c'est les paroles bibliques. Voilà, donc c'est l'esprit et le temps là. Tu peux vivre avec ton esprit, mais tu n'as pas une âme. Voilà, tu n'as pas une âme. Non, tu vis. Tu es là, mais ton âme a été mangée, tu es bouffée. Et quand c'est comme ça, tu n'as plus trop longtemps de vie. C'est fini. C'est pour ça que le sorcier dit que je l'ai tué. Parce qu'effectivement, il a mangé ton âme. C'est pour ça qu'on les appelle mangeurs d'âme. Vous n'allez jamais voir qu'on est mangeur d'esprit. Non, non. On les appelle mangeurs d'âme. Voilà. Donc, il fallait que j'explique un peu ça. Parce qu'on dit, ah, mais c'est pas vrai, puisque le monsieur vit. Et puis on dit, mais il a mangé vraiment la partie énergétique de l'homme. Parce que c'est l'énergie de l'homme, qui est la force de l'homme, qui est le sang. Voilà, vous allez voir que personne ne peut fabriquer le sang. Personne. Personne. Vous allez monter et descendre, ils vont beau fabriquer jamais. Parce que c'est la vie même de l'homme. L'esprit vient, c'est vrai. Mais c'est cette partie de l'esprit qui ira rendre compte à Dieu. Voilà. Et maintenant, l'âme, c'est ce qui t'amène, n'est-ce pas? C'est ta force, la force même de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Voilà, donc voici un peu. Non, l'âme, c'est le sang. Et l'âme, c'est pratiquement ta vie. Donc quand quelqu'un mange ton âme, c'est la vie. S'ils sont quatre sorciers, que la personne devait faire 20 ans, chacun se partage 5 ans, 5 ans. Mais oui. C'est comme ça. S'ils ont mangé ton âme, c'est pour ça que vous voyez que les sorciers, c'est les vieux, ils sont 40 comme ça là. On est les jeunes là-bas, une jeune fille. Elle porte mini, elle se maquille. Elle a trois copains là-bas. Elle fait cheveux lisses. Les cheveux babis, comment elle fait? Les 13 façons là. Elle fait ça là-bas, puis elle a mini. Mais quand tu la vois ici, elle fait comme elle est vieille.